Alors, la question effectivement de l'emploi, la relation entre la croissance et l'emploi, la relation entre l'investissement et l'emploi, le chômage, on doit lire les choses également de manière scientifique et de manière sereine. Depuis 2000, notre économie en moyenne a créé 115, 120 000 emplois, en moyenne, annuel. Hein, laissons la conjoncture, en moyenne. Et le taux de chômage d'ailleurs a baissé de 12,5 à aujourd'hui, il oscille entre 9 et 10. Mais sur cette période, ce qu'on ne sait pas, c'est que les Marocains en âge d'activité ont augmenté de 330 000 personnes par an. Notre économie crée 120, 115, 120 000 emplois, mais ce qui arrive sur le marché de l'emploi, c'est pratiquement le triple, enfin le double. Ça veut dire que notre économie doit avoir la capacité de créer plus d'emplois pour absorber. Nous ne sommes pas comme certaines sociétés où, disons, la population, hein, d'une manière, l'effet démographique est neutre. Nous avons un effet démographique important. Mais malgré cet effet démographique, nous avons pu réduire le taux de chômage. Parce qu'il y a une différence entre le taux d'activité et l'emploi, hein, il y a une différence. Nous avons pu maintenir et même réduire le taux de chômage. Aujourd'hui, la question, c'est, elle est réelle. Comment faire pour que notre... Tout le monde sait que c'est la croissance qui crée l'emploi. C'est vrai que nous réalisons une croissance qui ne crée pas suffisamment d'emplois de notre point de vue. Mais comment faire pour que cette croissance ait un contenu en emploi plus fort? Alors, regardons ces emplois où ils étaient créés depuis 2000. Premier secteur, c'est les services. Sur les 130 000, il y a 85 000, deux tiers, c'est les services. Et pratiquement un tiers, c'est le BTP. C'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Aujourd'hui, c'est toute cette logique de modèle économique et de modèle de croissance qui est un vrai sujet. Et comment ce modèle de croissance peut être remodifié pour créer plus d'emplois. C'est bien entendu toute la portée de la philosophie et de la politique menée depuis au moins 3 ans pour dire notre croissance tirée essentiellement par la consommation. Il faut le dire, nous avons acheté, et ça vous le savez mieux que moi parce que vous êtes des experts, depuis le déclenchement de la crise, nous avons acheté un peu de croissance avec un peu de déficit. Nous ne pouvons pas continuer à acheter la croissance avec le déficit, ça devient insoutenable. Nous sommes revenus à une politique plus raisonnée, plus raisonnable, de retour à l'équilibre et chercher les moteurs de croissance ailleurs. Et ces moteurs de croissance proviennent d'un changement de cap. Bien sûr, il faut continuer à encourager la croissance par la consommation avec ses deux volets investissement et enfin la demande, la politique de la demande avec ses deux volets investissement et consommation, mais également marcher sur l'autre pied qui est la politique de l'offre. Et encore une fois, c'est toute la dynamique aujourd'hui qui est créée à travers le plan d'accélération industrielle, à travers cette ambition de relever le PIB de l'industrie de 14 à 23%, avec cette ambition de créer 500 000 emplois à l'horizon 2020, qui est quelque chose, ça peut paraître un pari fou, mais de mon point de vue, c'est un pari tenable au vu de l'ensemble des contrats aujourd'hui signés à travers les écosystèmes de l'automobile, l'écosystème de la chimie, l'écosystème de ceci et de cela. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un pari qui est à notre portée.